Give me your secrets, bring me a sign. Give me a reason to walk the fire. See another dawn through a daughter's eyes. You give me a reason to... Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui c'est pour vous de vous faire une vidéo pour vous faire montrer le type de l'autre type de rechargement pour une réplique principale. Donc pour moi c'est la FK416 W de chez WGPR. Voilà. Donc alors chaque personne a son mode de tir comme je fais de la vidéo principale pour le PA. L'arme secondaire. Donc alors je vous en fais montrer plusieurs. Après à vous de choisir laquelle est la mieux ou vous regardez l'autre. Donc alors il y a le rechargement le plus basique qu'il y a. Voilà. Le chargeur se bloque. On change. On le pose dans la de gauche ou l'autre. Là où vous voulez, là, ça, voilà, ça se rejoint. Donc on prend une bouche en verre, tac, on engage. Voilà, le plus simple, et même le plus connu. Ensuite, il y a, on tire, on peut éjecter le chargeur, et prendre un nouveau, et recharger. Bon, par contre, le plein chargeur, elle a duré 10 de pas avec le temps. Donc, au moment de la laisser tomber, ça va m'inquiéter. Donc, moi, je le fais pas là, je le fais comme vous voyez pas, mais il y a quelque chose dessous, je sais pas si vous voyez. Mais... Donc, voilà. Ensuite, là, on sait qu'il y a presque plus de billes. On a déjà regardé un petit peu avant. On s'en aperçoit de fait. Donc, voilà, on tire. Et on sait qu'il reste pas beaucoup de billes, donc on commence à changer de chargeur. Tac, et dès qu'on le fait, tac, on change de chargeur et on entre toujours pour rendre la personne. Toujours. Voilà, donc ça fait trois modes de recharge. Ensuite, je n'en connais pas d'autres. Après, il y a le double chargeur, c'est comme, voilà, si vous avez un double chargeur, vous pouvez changer. Donc, pour moi, j'utilise le plus simple. C'est celle-là, j'en ai le chargeur, je la pose. Donc moi j'ai pas de gauche, donc je la remets dans le chargeur et je change, mon bandissage, j'ai déjà le temps de me faire tirer dessus. C'est un peu dangereux quoi, c'est un peu serrable. Ou sinon, là, vous avez déjà regardé avant, je sais qu'il y a plus beaucoup de billes. Donc je garde un jeu de personne et je change de chargeur. Tac. Et après, tac, dès qu'il y a une personne qui veut venir en aide ou qu'il y a plus personne, je peux avoir le chargeur. Bon par contre je laisse pas même par terre. À part si je suis au sol couché, je le pose par terre. Mais j'en ai fait un, on sait entre eux, on sait jamais. Déjà, j'ai pas beaucoup de chargeurs en réseau principal, donc j'ai pas trop envie de les allumer. Donc, je vais vous faire montrer quelques petits tirs. Donc, celui-là, il y a plus de billes, non? C'est pas grave, là, je vais commencer comme le basique. Là, c'est bien. Tac, donc je change, je le pose, je change, je le pose, j'aime pas les bons. Tac, 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 voilà. C'est un arbre bien très affiné, surtout si votre poche est bouchée, comme moi, c'est bloqué par les chargeurs PA. Donc sinon il y a celle-là, on sait qu'il y a plus de billes, donc là il en est passé, hein. Je sais pas ce que c'est faire, mais voilà. Tac, on se fait plus de billes. Et là, ça se bloque. Tac, on se dit. Et là, voilà. Vous voyez, ça m'a un peu plus rapide. Sinon, après, il y a elle, celle-là, bon, mais celle-là, on va faire une pression pour que le chargeur soit fort. Tac. S'il y a d'autres recharges que vous connaissez que je pourrais faire pour une prochaine vidéo. Et abonnez-vous et aimez la page. Allez, ciao tout le monde. Give me your secrets, bring me a sign.